Bonjour, connaissez-vous les chichinettes? Non? Eh bien, ce sont des voitures sans permis transformées en bolides. À Saffré, une association s'est créée, les chichinettes saffréennes. Elles regroupent une trentaine de membres qui organisent désormais chaque année une journée de démonstration de ces drôles de petits engins roulants. Alors, c'est difficile ce genre de course, c'est pas vraiment une course. C'est pas une course, c'est à la base un échange entre nous, c'est un amusement, c'est un truc sympa, un truc d'un dimanche qu'on organise souvent, 8 fois dans l'année, les fours roulants. On organise ça à Pont-Saint-Martin dans le sud de Nantes. On vient sur Saffré qui nous invite. Nous sommes une association à la base qui dure depuis 24, c'est la 24e année. Et donc on est invité par Saffré qui sont depuis 7 ans, je pense, 6 ou 7 ans. Qui ont monté leur assaut aussi à eux, qui veulent se démarquer du Sud-Loire et qui veulent monter leur petit projet. On les aide, on les booste et on y va. On est venu. Elle a 30 ans, plus de 30 ans, presque 40 ans. C'est juste une coque en résine. Nous, on agrémente un châssis renforcé, arceau pour protéger le pilote et les autres, bien sûr. Et dedans, c'est un moteur de 50 cm3, de mobilette à la base ou de scooter. Et voilà, tout simplement. C'est un moteur un petit peu gratté, tout le monde se fait son petit réglage. Et voilà, tout simplement, c'est un moteur de 50 cm3 avec une voiturette en résine qui a 30 ans, voilà. Contrairement à ce que tout le monde croit, le sport mécanique n'est pas macho. Je reviens là-dessus parce qu'en fait, non, on a 8 femmes chez nous qui sont complètement dedans et qui badent souvent les hommes d'ailleurs, tout à fait. Je peux vous le dire, je vais me marier dans une semaine et ma femme me bat, donc avec celle-là d'ailleurs. C'est la voiturette de ma femme, simplement. J'ai commencé en tant que copilote à côté de Cyril. Et puis j'ai fait un an et bah, j'ai eu trop envie de rouler parce que d'être à côté ça va bien un moment. Après bah, on a vachement envie de prendre le volant et puis d'aller s'éclater. C'est une super ambiance et franchement rouler une voiture c'est génial, on s'éclate, on se rentre dedans et voilà. On n'a pas le droit à plus de 50 cm3, pas au-delà. Oh ça va pas vite, hein. Ça va pas vite. Une petite voiturette ça va pas vite. C'est spectaculaire mais ça va pas vite.